Les personnages principaux sont toutes les femmes et c'était une décision pour faire une exploration de l'autre sexe. Et pour la recherche, j'ai fait les interviews avec trois femmes sur les îles pour découvrir leur vie avant, pendant les années 80-90, et pour écrire autour de leur enfance et la vie sur les îles. Et c'était très intéressant et j'étais très contente d'écrire autour des femmes comme ça. Pendant l'écriture de la série française, la série d'Enzo, j'ai fait beaucoup de la recherche sur la police française, la gendarmerie, la police nationale. Et alors je suis très connaissante de la fonction de la police en France. Mais j'ai choisi d'écrire un morceau de cette histoire en France, à Paris, parce que, évidemment, j'habite en France et je connais Paris très bien. Et aussi après les attentats, il y avait des choses un peu différentes à Paris avec les polices, avec les fusils sur les rues dans la place de la République, par exemple. C'était une atmosphère très différente des îles. Et j'ai essayé d'écrire autour des contrastes entre la grande ville de Paris et les petites îles de l'Écosse. L'histoire commence, on fait en France, les deux personnages écossais qui sont arrivés à Paris pour le grand salon des fabriques Première Vision. Ils sont propriétaires d'une petite entreprise qui fabrique le fabrique comme Harris Tweed. C'est un peu comme Harris Tweed. C'est quelque chose, ces jours à la mode. Ils sont très réussis, mais ils sont aussi les femmes, femmes et maris. Entre les deux, il y a un problème parce qu'elle croit qu'il est pas fidèle avec une designer de la Russe. Dans l'hôtel, il y a un grand argument. Explication entre les deux. Il part et après quelques minutes, il entre dans la voiture de la Russe et il y a une grande explosion sur la place de la République. La voiture est complètement détruite et son mari et son amour est tué dans l'explosion. Elle doit commencer de trouver soi-même après la mort de son mari. Il y a une enquête ici en France, mais enfin elle peut rentrer dans les îles avec le cadavre de son mari. Et une fois sur les îles, elle commence de rappeler toutes les choses de leur vie ensemble qui a commencé quand ils étaient enfants sur l'île. Après chaque souvenir, il y a une possibilité à découvrir quelqu'un avec un motif pour tuer son mari.
C'est une traduction d'un le titre anglais, I'll Keep You Safe, qui était nommé après une chanson avec le même titre. Et la chanson, c'est quelque chose, une chanson très importante entre les deux personnages. Et je te protégerai. C'est quelque chose qu'il a dit à elle, mais il est mort. C'est pas possible pour lui à la protéger. Et alors, ça, c'est la dérivation du titre.